Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, c'est pas évident hein, tout ce qui se passe, c'est pas évident du tout et je pense qu'on rejoint vraiment ce que j'avais dit au début, mars, avril, mars. J'avais parlé que ça allait empirer, surtout au mois d'octobre, j'avais parlé du stress. Donc on verra bien ce que ça va donner. Donc on va voir le positif, en tout cas on va essayer d'en sortir du positif même. Si tout n'est pas positif, mais il faut en tant qu'individu être positif pour pas justement jouer le jeu de ce que on appelle l'état profond. Voilà, j'en dis pas plus parce que j'ai eu un petit problème avec une vignette, une miniature d'une de mes photos. Donc, dans le tirage au sort, j'avais simplement une photo toute simple, hein, faite par YouTube, donc un sourire et c'est tout. Signalé comme pas adapté, pas du tout convenable pour YouTube. Donc, à mon avis, c'est parce que de temps en temps, je parle de ce qui se passe et de ce que je ressens. À mon avis, hein, je ne peux me tromper, en tout cas, voilà. Bref, passons. Donc, nous allons faire un tirage. On laisse tomber tout ça pour l'instant. On va faire un tirage pour les Verseaux pour le mois d'octobre. Alors, je tiens à préciser, c'est vrai que j'étais en avance, j'étais bien partie pour les signes, et puis d'un coup, ça a un petit peu. J'ai pris du retard. Pourquoi? Parce que j'ai énormément de travail, j'ai énormément de demandes. Je suis très en retard pour les réponses, pour les mails. C'est surtout les mails mon plus gros problème. D'accord? Et donc, je n'ai plus d'énergie, j'ai plus beaucoup d'énergie. Donc, moi, je fais les tirages seulement quand j'ai l'énergie, quand j'ai de l'énergie. Parce que je fais un tirage. Donc, les cartes, vous savez bien, comme je vous explique, les cartes ont une symbolique. Mais moi, je reçois des informations. Je regarde par là parce que c'est par là que j'ai mes informations. Donc, j'ai des informations. Donc, il faut que je sois vraiment connectée. Voilà. Si je suis trop fatiguée, je vais simplement lire, je vais vous dire, voilà, sans connexion vraiment. Je dirai les cartes, voilà, c'est ça, ça et ça. Je peux vous lire les cartes, hein, c'est très facile. Mais après, la connexion vous donne d'autres messages, voilà, tout simplement. D'accord, on y va pour les Verseaux pour le mois d'octobre. On y va. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Actionnez la petite cloche pour avoir toutes les notifications parce que dès que je vous avais promis pour 2000 abonnés, voilà, j'offre des petits cadeaux, bientôt les 3000 et je pense que on y est bientôt. Voilà, donc comme ça vous êtes au courant. Si vous aimez bien la vidéo, un petit pouce en l'air et voilà, on commence les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux pour le mois d'octobre. Je demande à mes guides de m'aider. En fait, je viens de ressentir quelque chose, vous l'avez vu. Je pense que ça va être. Je sais que vous n'aimez pas. Hein. Je sais que chaque fois. Waouh! Les étoiles, le calme. J'allais dire justement, ça va être une période. Pas le contraire de la carte. Hein. Une période un peu plus. Pas trop de lumière là. Un peu plus. Mais c'est mondial, hein. C'est pas que pour les Verseaux, c'est pour ça qu'il faudra essayer de tirer son épingle du jeu, hein. Essayer vraiment d'être au top top, je vais essayer de faire un cadre comme ça, d'être au top top, d'accord, d'être le plus positif possible, d'accord. Ça va vous aider à passer un peu le cap. Je pense qu'octobre va être un mois, on a déjà commencé le mois d'octobre, mais qu'est-ce que je vous disais? Alors les Verseaux, pas de panique, il n'y a que deux cartes, on va voir la suite. Je l'ai dit, hein, je ressens de plus en plus les choses, les événements, les informations me viennent comme ça facilement. Mais c'est grâce à vous, hein. Vous me nourrissez beaucoup, vous m'aidez beaucoup, hein. Bon, je vais formuler ça. Comment expliquer? C'est pas de la complaisance, mais pour moi, il y a toujours du positif dans chaque événement. Dans chaque moment qui nous paraît,
qui nous paraît difficile. Ici, on nous parle des tensions à la maison, des difficultés. Nous sommes dans une période un peu d'incertitude. On sent qu'elle... Oui, on s'inquiète. Attendez la suite, hein, les Verseaux. Voilà, j'ai tout mis. Dans la maison, il y a des tensions. Faites attention au vol chez vous aussi. Donc, vous êtes au courant, vous faites tout pour vous préserver. Donc, fermez les portes, vérifiez les fenêtres, qu'elles soient bien fermées. Voilà, c'est tout simple. Et si vous habitez dans un immeuble, des fois les voisins ne ferment pas les portes. À la limite, vous repassez plusieurs fois, c'est comme ça. Hein. D'accord? Il y a des tensions à la maison, c'est surtout dû à un jeune enfant ou à un enfant ou à un ado, à une jeune personne en tout cas. Et ça vous mine un peu le moral, le mental, et vous vous posez des questions. No panique, la suite arrive. Hein. Il y a des soucis, des inquiétudes, c'est une période un peu compliquée, même financièrement. Enfin voilà, il y a des doutes, il y a des questionnements, on se demande où est le chemin. En plus, le Verseau, vous aimez bien les personnes, c'est-à-dire les personnes. Ce que je veux dire, vous aimez bien les sorties, vous aimez bien être entouré, vous aimez bien vos amis, vous êtes une personne, vous aimez bien l'autre, vous aimez bien le contact. Et ici, avec ce qui se passe, je ne sais pas pour vous dans les autres pays, mais par exemple en Belgique, parce que je suis belge, pas que ça s'entend, on habite dans mes syntaxes, pendant un mois, nous avons droit, c'est déjà bien, hein, je trouve ça vraiment super, de voir trois personnes qui ne font pas partie de notre foyer, mais les mêmes. Hein. Nous avons droit à trois personnes pendant un mois à voir en dehors de notre sphère privée, voilà, familiale. Trois. Mais toujours les mêmes. Voilà. Donc, pour un Verseau, c'est un petit peu compliqué tout ça. Voilà, s'il adhère à tout ça, évidemment. Voilà. Et donc, il est sensible, il a des tensions à la maison. Par contre, le positif, nous avons parlé des finances. Ça joue aussi sur les tensions dans la maison. Moi, quand je visualise votre maison, il y a une pièce où vous vous sentez bien. Et puis, il y a l'autre partie. C'est plutôt vers... Ouais, ça dépend comment on se trouve. Quand vous regardez, vous êtes à l'entrée, à droite, ça se passe bien. Est-ce que c'est le salon? Je ne sais pas. Mais à gauche, ça a l'air moins bien. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Vous prenez l'information comme je vous la donne. Je suis un peu particulière, mais c'est comme ça que j'ai les informations. Donc, vous êtes plutôt dans une pièce, et là, ça va plus ou moins. Et dans les autres pièces, vous êtes moins à l'aise, moins bien. Pourquoi? Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est vraiment par rapport à votre foyer. D'accord? Et donc, il y a tout un stress. Vous êtes fort dans la maison pour l'instant. Ouais, je viens de dire par rapport à certaines sorties, les autorisations, les libertés qu'on nous enlève petit à petit. Voilà. Pour la santé. OK. Et il y a aussi ce côté financier. Il y a le stress par rapport aux finances. Comment vous allez pouvoir... Oui, on me montre bout. On me dit bout. Donc à mon avis, c'est comment joindre pour certains Verseaux, joindre les deux bouts. Pourtant, voilà, ça c'est le positif. Pourtant, il y a une rentrée d'argent. Donc il y a une somme qu'on vous doit, que vous avez droit. Alors ça peut être un héritage. Ça peut être les impôts. Profitez, hein, les impôts, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Moi, quand j'ai parlé d'impôts, donc on retouche souvent les impôts et j'ai l'impression que ça va pas être éternel, ça. À un moment donné, il va avoir un couac. Voilà. Ça a l'air négatif. Hein. Je vous vois déjà certains qui me disent vous êtes pessimiste, c'est pas agréable. Mais pas du tout. En fait, ce que nous vivons ici a un impact. Vous le ressentez au plus profond de vous, les Verseaux. Vous êtes très sensibles pour ça. Vous aimez beaucoup votre liberté. Vous n'aimez pas qu'on touche à votre liberté, d'accord? Et donc, ça a une incidence sur votre foyer, sur votre mental, d'accord? Mais ce qui est positif pour vous, c'est que vous avez une force aussi. C'est que vous pouvez rebondir facilement, d'accord? Ça, c'est votre positif. Donc, vous allez avoir un retour d'argent.
Donc vous êtes inquiet, vous vous demandiez, parce que moi j'ai vraiment vu écrit bout. Donc à mon avis, c'est comment joindre les deux bouts. Voilà, c'est ça. Vous vous rendez compte, ça devient un peu plus difficile pour certains Verseaux financièrement, d'accord? Mais il y a une somme d'argent qui arrive très très vite en plus, d'accord? On me dit aussi, les Verseaux, tout ce que je dis, on fait dans les cartes, c'est je vous préviens. Donc, les grandes lignes sont écrites, mais vous pouvez, puisque vous êtes prévenu, prêtez plus attention, par exemple, à votre santé. Votre santé, on me dit, vous êtes tellement stressé que ça se met, par exemple, sur le dos. Mais le haut du dos, et pour certains, le bas aussi. C'est vraiment le dos, là. Voilà. J'allais dire, donc par rapport à tout ça, toutes vos épreuves se mettent sur votre physique. Donc, puisque vous le savez, essayez de vous dégager un petit peu. Vous allez avoir une rentrée d'argent. D'accord? Je montre bien la rentrée d'argent. D'accord? Vous êtes stressé, vous inquiétez par rapport à ça. Tout va aller, je vous assure. En tout cas, la rentrée pour certains Verseaux, d'accord? Je dis bien pour certains puisque c'est général comme tirage, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas possible. Prenez ce qui vibre en vous. Professionnellement, il y a du changement. Il y a, pour certains Verseaux, on me parle ici d'un arrêt de travail dû à une maladie. Et vous allez toucher des indemnités par rapport à ça. D'accord? C'est peut-être un petit peu en retard aussi, ça on me dit. Il y a peut-être du retard par rapport à cette somme. C'est ça qui vous inquiète. Et tout ça rejoint le foyer. Tout ça, ça vous perturbe. Vous vous sentez bien que dans une pièce dans votre foyer. Ça fait qu'un tout en fait. Des fois on me dit que je m'éparpille, que je passe d'un sujet à l'autre, ce qui est possible, hein, je ne dis pas le contraire. Mais là c'est vraiment, ça se rejoint. Vous êtes vraiment, c'est par rapport à votre foyer. Et ça correspond à ce qui se passe à l'extérieur. Ça veut dire que c'est très difficile pour l'instant de pouvoir sortir. Je sais qu'en France, les bars, les cafés, tout ça, ils sont fermés. En Belgique aussi. Les autres pays, je ne sais pas trop, mais ça va durer encore un. Ce petit jeu va encore durer un bon moment, hein, d'accord? Ok. Alors pour votre santé, c'est juste dû à une sorte de déprime de voilà. Mais vous allez reprendre du poil de la bête, d'accord? Vous allez pouvoir revenir au combat, revenir en force. Reprenez-vous. Il faut vraiment que vous jouiez sur que vous compreniez en fait que tout est dans la tête. Alors, les faits sont là, je ne dis pas le contraire, mais vous pouvez prendre le contrôle de la situation si vous ne vous laissez pas envahir par votre stress. D'accord? Ayez confiance, gardez confiance en vous. Je vous en prie, gardez confiance en vous. Vraiment. Ici, on me parle d'un médecin, donc vous allez voir un médecin, c'est un chirurgien probablement. Enfin, quand je dis chirurgien, j'ai déjà remarqué, pour moi, c'est des fois un acte chirurgical, mais pour les médecins, c'est simplement une manipulation importante. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire que vous allez voir un médecin, mais c'est avec réussite. Voilà. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Alors, c'est un mot qui est venu. Faire attention aux varices. On me dit, je ne sais pas, c'est un mot qui est venu comme ça. Je vous dis les informations qui viennent. On me parle aussi de changement d'école. Alors pourtant, l'école a bien commencé. Mais on me parle de changement d'études, changement d'école. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, il y a un changement. Ça va bouger pour certains enfants, certains ados. Voilà. On me parle aussi que vous avez besoin par rapport à votre foyer. Vous avez besoin de changement au niveau du couple. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de vous apaiser. Vous avez besoin de. Il y a trop de choses qui se passent pour le moment pour vous et vous avez l'impression que c'est pas vraiment du positif. C'est pas encore du négatif négatif. C'est juste comment dire. Vous avez l'impression d'être un peu. C'est comme si vous étiez, comme s'il y avait dans plusieurs domaines, c'était un peu gris. Et donc c'était un peu compliqué pour vous. Alors que
Je vous dis, au niveau financier, c'est une inquiétude, c'est un souci. Comment vous allez faire pour... Et pourtant, il y a une somme d'argent qui arrive. Il y a une somme, il y a un retour d'argent, d'accord? Par rapport au foyer, ici, on voit que vous avez des tensions chez vous, mais c'est dû à tous ces événements, à ces questionnements, à ces inquiétudes. Parce que ça commence un petit peu à devenir un peu lourd pour beaucoup de monde, hein. Pas que pour les Verseaux, hein. Ça c'est clair et net, hein, je vous l'assure. Mais mes chers Verseaux, je vous garantis que vous avez une telle force en vous et vous avez cette joie en vous. Donc, ça ne va pas durer, c'est juste, vous avez le droit aussi d'être un moment plus faible, on va dire, dans le sens plus fragile, voilà, et dans le questionnement, voilà, tout simplement. Je pense qu'une fois que, c'est ce qu'on me dit, une fois qu'il y aura cette rentrée d'argent, ça va vous faire un plus. Alors, dans le foyer, on parle vraiment de communication. Donc, de parler à l'autre, de communiquer. L'autre, le conjoint, et alors me fait vraiment cette différence, alors que c'est général, mais on me dit vraiment que c'est plutôt l'homme. C'est la première fois que je vois ça. L'homme qui s'éloigne un petit peu, mais pas plutôt physiquement. Ah, physiquement, mais pas qu'il va voir ailleurs. Ici, je ne le vois pas. C'est plutôt qu'il, voilà, il a ses propres occupations. Parce que vous êtes fort préoccupé. Mais il n'est pas éloigné définitivement. Ici, pas dans ce jeu-là. C'est parce que y a beaucoup de questionnements. C'est tout. C'est tout. C'est que ça. D'accord? Il y avait une dame dans votre entourage. Je pense que ça peut être votre maman, si vous l'avez encore. Ça peut être une autre personne. J'espère que vous m'entendez, hein, parce que j'ai une petite voix. Ça peut être une autre personne, mais qui touche votre foyer, qui était malade. Et on me dit ici guérison. Soin, guérison. Je pense que ça doit parler à beaucoup de Verseaux. Soin, guérison. Voilà. Donc c'est très positif. Ça peut être donc votre maman, ça peut être une sœur. Enfin voilà. Moi, j'ai entendu maman. Mais en tout cas, une personne de la famille. Et dans la famille, ça peut être quelqu'un qui habite dans la famille. Ce sont des mots qui me viennent, hein, donc des fois c'est pas toujours français, mais c'est, j'ai vu le mot dans et puis famille et maison, voilà. Donc ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui habite dans la famille, dans la maison, pardon, qui est de la famille. Mais moi j'ai vu maman, la lune, maman. Un déplacement qui va être annulé. On me dit, voilà. Okay. Alors au niveau travail, on me dit aussi qu'il y a une grande fatigue. Ah oui, j'avais dit. Hein. Donc il y a une grande fatigue et on me dit aussi que un arrêt de travail. Peut-être dû à la fatigue, peut-être dû à un burn-out. Vous allez reprendre tout ça, les Verseaux. Vous allez tout récupérer. Je penserai plus vers le mois de novembre. D'accord? Donc, c'est pas grave, on a le droit en tant qu'humain de. Moi j'appelle toujours ça, je dis toujours toucher le fond pour pouvoir mieux remonter et mieux apprécier les bons moments. Ne vous inquiétez surtout pas, d'accord? Vous êtes très très fort les Verseaux. Très très fort. Vous avez. Ici c'est un peu simplement un moment, comment dire, plus délicat. Voilà. Et c'est normal, il y a quand même beaucoup d'événements, il y a quand même beaucoup de. Vous sentez, hein, même si pour certains c'est pas toujours. On sait qu'il va se passer quelque chose et c'est pas toujours clair de mettre des mots. Je fais beaucoup de grimaces, hein. C'est parce que j'ai des informations et je sais que vous aimez pas trop quand j'en parle parce que vous avez l'impression que je parle un peu trop des fois du Covid ou de. Enfin, du Covid, je parle pas du Covid, hein, de cette pandémie. Et donc, je sais que. Vous pensez que j'en parle trop, mais ça, on est lié à ça, ça nous touche, ça fait partie de notre vie maintenant et des événements, voilà, tout simplement. Je vais une fois voir par rapport au couple. Donc j'avais dit que je sentais plus l'homme par rapport au couple, alors que c'est général, hein, c'est assez étrange. Alors c'est le lys, je sais que vous voulez voir les cartes, je vais essayer de les montrer comme ça c'est le lys. Je vais essayer de trouver un système pour que vous voyez et les cartes et moi. Moi, pas pour me voir moi, simplement pour m'entendre et voir mes expressions. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà. Donc il y a le lys par rapport au foyer, on va voir. Lys, normalement, c'est le repos, c'est le calme. Je pense que vous allez, ouais, c'est ce qu'on me montre, vous allez retrouver le calme et poser. Mais c'est pas grave quand on s'éloigne un petit peu. C'est vraiment qu'on prenne un peu de distance tant que
On s'éloigne pas trop. Et c'est pas le cas. Je vous assure, c'est pas le cas pour la plupart des Verseaux. Vous avez juste besoin de pouvoir récupérer. Vous êtes fatigué, on me dit, très fatigué. Parce qu'on me dit aussi que vous savez pas toujours mettre les mots sur ce qui se passe en fait. Vous sentez quelque chose. Vous êtes. En fait, c'est ça. En fait, vous avez. Vous savez qu'il se passe quelque chose. Oui, c'est ça en fait. Vous êtes là et autour de vous, vous savez qu'il y a des événements. Vous allez d'abord vous occuper de ce qui se passe dans votre foyer et dans votre entourage proche, et puis de ce qui se passe autour. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que vous avez comme sentiment. Et c'est un peu compliqué parce que ça paraît sombre autour de vous, un peu gris, on va dire. Et vous aussi, vous devez gérer ça. Donc c'est un peu plus compliqué pour vous, pour le moment, jusqu'au mois d'octobre, c'est bientôt la fin. Mais vous avez assez de. J'allais dire, on m'a dit intelligence, mais c'est plutôt intelligence émotionnelle, hein, d'accord? C'est pas l'intellect, hein. Ça joue aussi, mais c'est surtout émotionnel. Donc vous avez assez l'intelligence émotionnelle pour pouvoir rebondir et pouvoir prendre les choses en main. Alors, on y va pour le couple, ceux qui sont en couple pour les Verseaux. Voilà, c'est bien ça, c'est bien ce que je dis. Sur ça correspond tout à fait sur la quiétude, sur la tranquillité. C'est un petit peu rongé pour le mois d'octobre, mais nous sommes déjà bien entamés. Le mois d'octobre est déjà bien entamé. Donc, ça fait partie aussi. Moi, je suis. Comment dire? Ça peut être du positif aussi, le fait d'être pas trop, trop bien pour l'instant. Je m'explique. Qu'est-ce qu'elle raconte, Catherine? si vous pouvez. Comprendre, parce que rien n'est pour rien, d'accord? Ça veut dire que si vous pouvez comprendre et savoir comment réagir et se dire finalement ce n'est qu'un moment d'apprentissage aussi et de tension, ça fait partie de ce qui se passe dans la vie. Est-ce que je suis claire? Mais c'est pas le but n'est pas de vous tirer vers le fond et de vous laisser au fond. Le but c'est de pouvoir réagir et de pouvoir mettre en place. Mettre en place, comment on explique ça? Mettre en place des situations ou des choses pour pouvoir, des événements pour pouvoir vous en sortir et pouvoir, par exemple, financièrement, vous attendez l'argent, vous savez que vous devez plus trop dépenser et que vous devez pas trop stresser, d'accord? Ça veut dire que les choses se mettent en place pour que vous puissiez réagir et ne pas vous laisser tirer vers le fond et y rester. C'est ça en fait le positif dans les situations qui sont un peu plus compliquées. Est-ce que je suis claire? Il y aura des discussions dans le couple, hein, on parle toujours. Donc c'est ce qu'on avait vu au départ, hein, d'accord? Vous aurez une décision à prendre. Soit vous allez à gauche, soit à droite. Ça c'est une symbolique. Ça veut dire est-ce que je re. Non, c'est pas français, je recommunique. Est-ce que je communique à nouveau avec mon compagnon, mon conjoint? Je le vois un peu s'éloigner, mais c'est juste physique. Et il y a le mental, évidemment, mais il n'est pas tellement éloigné. Il est quand même un peu éloigné. Il n'y a plus tellement de communication. Qu'est-ce que je fais? Il y a le soleil. Le soleil. Le soleil, c'est. Ça veut dire qu'on a pris la décision de communiquer à nouveau et de se dire en fait que vous voyez plus clair au niveau financier, que vous voyez plus clair dans votre foyer. Donc votre morale reprend du poil de la bête, du poil de la bête, on en a parlé tout de suite. C'est parce qu'en fait, je viens d'avoir l'image de nouveau du travail. Le fait d'être à la maison, d'être en arrêt pour certains, ou d'être fatigué à cause du travail, et donc être en arrêt pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir reprendre un peu d'énergie, va être positif pour vous. Vous allez vous retrouver. Si vous continuez à travailler et que vous êtes quand même fatigué, vous allez tout doucement, on me montre, hein, lever le pied et comprendre. Que c'est pas le moment de tout donner au travail pour l'instant en tout cas. Que vous devez penser à vous. Voilà, vous devez penser à vous. Je vous dis les informations qui viennent. Il y a encore des discussions dans le couple. Donc il y aura encore des hauts débats. Oui, discussion. Donc je dis qu'il y a des discussions assez vives et encore des discussions plus douces. Donc des hauts débats, c'est exactement ça. Vous voyez, je le sentais avant que les cartes
se mettre sur le tapis. Donc il y a des hauts et des bas. Oui, il faudra calmer les choses. C'est vraiment par rapport au mental. Pour le moment, ça, vous avez l'impression d'être un peu bloqué, d'être vraiment dans des moments difficiles. Et c'est vraiment par rapport au mental. C'est vraiment ça. Et c'est vous. Et moi, j'ai l'impression que ça concerne surtout les femmes Verseau, en fait. C'est vraiment ça. Plus que pour les hommes. On dirait que les femmes Verseau, en tout cas, c'est elles qui ont l'impression d'être plus blessées. C'est ce qu'on me dit après. Et que les Verseaux sont plus dans l'observation. Si vous êtes Verseau en tant qu'homme. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous êtes plus dans l'observation en tant que masculin. C'est rare que je différencie comme ça les cartes par rapport à l'homme ou à la femme. Mais c'est ce qu'on me donne comme information. Donc pour vous les femmes, je résume, pour être bien claire. Les femmes, vous avez le sentiment de pas être vraiment bien, d'être de devoir gérer votre foyer. En tant qu'individu, vous vous sentez vraiment, vous avez difficile à gérer tout ça, le foyer, votre mental, votre spiritualité aussi, on me parle, et tout ce qui est extérieur, tout ce qui se passe extérieur de votre maison. Et donc, vous avez l'intention d'abord de gérer tout ça personnellement, individuellement, et puis ce qui vous entoure. Voilà, ce qui va être fait. Et ce qui vous entoure représente le côté extérieur de chez vous, vos amis, votre entourage. Vous enfermez un peu plus chez vous. Oui, c'est ça en fait. C'est pour ça que je voyais beaucoup le foyer. Vous êtes enfermé plus chez vous, de par la situation de ce qui se passe dans le monde, et de par parce que vous n'êtes pas trop bien pour l'instant, mais ça ne va pas durer, je vous assure. Le mois de novembre est le mois qui sera plus dans l'ouverture. Donc, patientez, cher Verseau, mettez les choses en place pour remonter ce qui va se faire, d'accord? Pour remonter moralement, pour remonter à la surface, parce que je vois vraiment, en fait, entouré d'un peu de gris, dans le sens que vous avez l'impression que vous avez beaucoup de choses à gérer. Voilà, d'accord? Mais je sens donc ce côté-là, plus pour les femmes Verseau. Et les hommes Verseau, je les sens plus dans l'observation avec ça ou sa conjointe, voilà, sa compagne. J'ai l'impression qu'il la laisse qu'il s'éloigne, qu'il attend en fait un petit peu que ça se calme. C'est comme ça que je vois. J'espère que vous me comprenez. Moi, je vous donne les informations comme elles viennent, hein. Je ne sais pas s'il y a une logique ou pas. Alors, on parle d'un départ, d'un nouveau départ. Contente. Ça, ça peut être une naissance aussi, hein. Mais pour moi, c'est un nouveau départ. C'est une naissance dans le couple. Donc, vous allez repartir après ce moment. Je pense que ça va être pour le mois de novembre. On verra bien quand ce sera au mois de novembre. Mais je pense que ce sera tout se met en place. Donc, tout ce que vous rencontrez ici n'est pas mauvais en soi, n'est pas infranchissable. Vous allez pouvoir. Et ça va même être du positif, en fait. Ça va vous apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur vous et sur les autres. Oui, vous allez apprendre des choses sur vous et sur les autres. C'est un plus pour l'avenir. Ça, je vous assure. D'accord? C'est un plus pour l'avenir. Je vais faire pour les célibataires. Ce qu'on me demande souvent pour les célibataires. C'est pas mauvais, hein, je vous assure, ne croyez pas ça. Vous avez le droit d'être dans des moments un peu plus, voilà, moins faciles à vivre, moins dans la joie. C'est juste pour vous préparer au mois suivant. Juste pour vous préparer pour le futur, à être bien et apprécier les choses différemment. Et à vous donner une autre force. C'est que ça, en fait. D'accord? Mais vous êtes aussi en fait. Ah oui, c'est ça qu'on me dit en fait. C'est pour ça que je vous vois là et je vous vois entourée. C'est très spécial. D'accord? Et donc en fait, vous vous sentez. Je viens d'avoir le mot, je viens de le perdre. Individuel. Vous avez l'impression que vous ne voulez pas vous mêler à ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Malgré tout, vous le sentez, mais vous voulez pas. Vous voulez d'abord gérer ce qui se passe pour vous, pouvoir vous en sortir et pouvoir être de nouveau dans la joie. Comme avant. Mais ça vient, je vous assure. Novembre. Et tout ça est positif pour vous. Ça vous apprend, ça vous apprend. Ça vous rend plus fort encore pour le futur. Vraiment, 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 vraiment. Alors, les célibataires, pour les Verseaux, pour le mois d'octobre.
Est-ce que vous voyez bien les cartes là, si je fais comme ça? Vous allez mieux les voir. Mais pas trop. Un peu à l'envers. Donc ça, c'est la tour. Le bouquet. La famille. La croix. L'ours. Vous cherchez la sécurité, les célibataires. Vous avez besoin de sécurité. Vous êtes en demande de sécurité. Le foyer, la maison, la famille. C'est bon pour vous, les Verseaux. Pour les célibataires, je cherche les informations. Je vois une. Ben oui, l'ours. Je vois une force tranquille. Je vois une force. Vraiment, hein. Une force tranquille dont vous êtes serein. Les célibataires, vous êtes serein. Il y a une rencontre, c'est bien. Il n'y en a pas, c'est. Vous êtes bien avec vous-même, c'est ce qu'on me dit. Il y a des surprises. C'est inattendu pour vous. Il y a des surprises pour vous. Positives, évidemment. Vous tranchez par rapport à votre passé. Il y a des nouvelles qui arrivent. C'est sur le chemin, il y a des déménagements. Il y aura un déménagement pour les célibataires. Avec réussite. Vous mettez de côté votre passé. Vous êtes bien. Vous avez repris. Vous avez appris et vous avez repris votre vie en main. Vous avez appris, vous avez repris votre vie en main. C'est clair. C'est très bien pour vous, les célibataires. Il y a juste les couples. C'est pas négatif. Il faut juste. Vous allez communiquer de nouveau avec votre conjoint. Et les célibataires, ils ont compris beaucoup de choses des mois précédents. Ils sont sereins. Donc moi, je les vois vraiment bien dans leur peau et bien avec eux-mêmes. Voilà. Et la rencontre va se faire puisque vous êtes prêts. Mais si la rencontre n'est pas pour ce mois-ci, ou c'est pas un problème pour vous parce que vous êtes bien avec vous. C'est ça l'avantage. Voilà mes Verseaux. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous apprenez maintenant vous servira pour les prochains mois. Je vous l'assure. Je vous embrasse. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour avoir les notifications pour mes vidéos. Le petit pouce en l'air, ça me fera très très plaisir si ça vous plaît, bien sûr. Un petit commentaire en dessous de la vidéo, j'essaierai de répondre. J'en ai de plus en plus, donc ça devient de plus en plus compliqué pour moi. Si vous voulez une consultation privée personnalisée, vous me demandez en ami sur ma page Facebook La Fée Catherine, vous m'envoyez un message sur Messenger pour prendre rendez-vous avec moi. Je vous enverrai les modalités. Vous pouvez m'envoyer un message, mais j'ai un mail, pardon, j'ai plus difficile avec les mails parce que j'ai un retard pas possible. Donc, c'est lafaycatherine@hotmail.com en minuscule. Voilà, je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite le meilleur. À très très vite, gardez confiance en vous. Je vous embrasse.